بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي، أبنائي بناتي، أعزائي عزيزاتي، أصدقائي صديقاتي، أعدائي عدواتي، مزنمي مزنمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Je vous aime tous en Allah. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler par le bonheur ultime, sa satisfaction, son pardon. Et la guide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur d'embrasser l'islam, ou au moins de le connaître, qu'Allah vous accorde les délices de la guider. J'ai beaucoup d'affection pour vous. Je suis fier de partager un petit bout de chemin avec vous. On entre directement dans le vif du sujet. Apparemment, le salafisme est en train de gagner la bataille. Le salafisme est en train de gagner la bataille. N'est-ce pas? Un valseur a valsé et continue de valser. Et d'autres ont valsé avant lui. Ils valseront à l'avenir, et ça va bien valser. Très bien, donc j'ai voulu faire parler le salafiste. Moi, salafiste de France, je suis responsable du chômage en France. Simple, non? Elle est facile. Moi, salafiste de France, je suis responsable du mal logement en France, et des 3,8 millions de mal logés, et des 1 500 000 qui attendent un logement social en France. Moi, salafiste de France, je suis responsable de l'explosion du nombre de SDF dans les rues de France. Moi, salafiste de France, je suis responsable de la judiciarisation à outrance et extrême en France. Vous savez que les rapports humains deviennent exécrables. Et tout se règle en justice. Un koala qui meurt en Australie, on s'attaque en justice en France, attention. Moi, salafiste de France, je suis responsable de l'extrême fragilité financière et économique de beaucoup de Français. Moi, salafiste de France, je suis responsable de la dette abyssale de la France. Moi, salafiste de France, je suis le responsable des accidents de la route. Même cela, c'est moi. Cherchez pas. Moi, salafiste de France, je suis responsable de la prostitution. De la prostitution qui gangrène toutes les villes de France et qui fait vivre aux femmes l'enfer sur terre. Moi, salafiste de France, je suis responsable du délabrement total d'une grande partie de la jeunesse française qui vit l'extrême fragilité. Des étudiantes qui se prostituent, des étudiants qui doivent travailler plusieurs jobs pour pouvoir financer leur étude. Et d'autres qui préfèrent quitter le circuit scolaire. Moi, salafiste de France, je suis responsable de la faillite du modèle français. Moi, salafiste de France, je suis le responsable des dégâts des pesticides, des insecticides et des perturbateurs endocriniens. Moi, salafiste de France, je suis responsable de la peur de l'avenir qui touche beaucoup de Français. Ah ben oui, un salafiste de France doit avoir un accent. Eh ben, j'ai un accent, non? Ok. Moi, salafiste de France, je suis responsable de l'obésité, allez, de l'alcoolisme, des dépressions nerveuses, allez, des violences conjugales, pourquoi pas, des suicides, ah oui, des cambriolages, un nombre explosif, des braquages et de tous les maux connus et inconnus qui frappent la France. Tu as l'eczéma? Moi, non. Salafiste de France. Bah, tu as des boutons sur le... Moi, c'est encore moi. Les coccinelles qui ont disparu des champs? C'est moi. Les papillons, il n'y en a plus? C'est moi. Tu as des problèmes de voisinage, non? C'est moi. Le suicide chez la jeunesse? C'est encore moi. L'harcèlement sur Internet? C'est encore moi. Tous les problèmes... Tous, ne te casse pas la tête. Ne fais pas de sondage, n'étudie rien.
n'y a plus rien à faire. Je suis le responsable de tous les problèmes. D'accord? Moi, l'homo politicus, economicus, mediaticus. Moi, l'homo politicus, economicus, mediaticus. Je suis en train de gagner toutes les batailles contre tous les problèmes enclenchés par le salafisme de France. Oh. Celle-là, il faut que je la dise avec l'accent parisien. Comment je peux faire? Moi, l'homo politicus, economicus, mediaticus, je suis en train de gagner toutes les batailles contre les problèmes enclenchés par le salafisme de France. J'ai essayé, vous savez, je suis un blédard. À ce moment précis. Ah non, avant ce moment précis. Si, si, à ce moment précis de l'histoire, de la scène, et le salafiste, face de rat mort, crie Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ah oui, il lance un cri de guerre. À ce moment-là, l'homo politicus, economicus, mediaticus embrasse le salafiste de France, le prend dans ses bras, le câline, lui caresse la barbe. Prends sa barbe comme ça. Comme ça. Ça, comme ça. Je fais des bisous, des câlins. Lui caresse la barbe et crie Allahu Akbar, lui aussi. Il a appris le cri de guerre du salafiste. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et vive le salafiste de France, vive le salafiste de France, vive le salafiste de France. C'est ma raison d'être, c'est mon bonheur, c'est mon prétexte, c'est tout ce qu'il faut pour que je ne fasse rien et pour que je continue à dire que tout est la faute du salafiste de France et la tour et la boucle est bouclée. Sinon, attention, il faut que je vous quitte parce que la face du rat mort, là, espèce de face de rat mort, va continuer à créer des problèmes, non? Donc il vaut mieux laisser le salafiste de France continuer à travailler et laisser l'homo politicus, economicus, mediaticus remercier le salafiste de France. Aïe, aïe, aïe.